Hey, salut à tous, c'est Mike Shonen, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de South Park, la nappe du destin, dans lequel on va tout simplement continuer notre aventure dans le magnifique laboratoire du docteur Mephisto. C'est génial, j'adore cet endroit. Ouais, je suis là. Ouais, j'y ai joué. Même les légumes qui ont plein de cubes. Fruits and vegetables with more acids means more nutrition for people all around the planet. Okay. What good does that do? Oh, you Bible-thumpers are all alike. Don't play God, you'll pay for it. Let's continue up to the second level, shall we? Allez, je suis prêt. J'imagine que ça va être encore plus intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est là? Another benefit of genetic science, of course, is c'est beaucoup trop cool. C'est la poisson. C'est Saint-Jeanne. Un écureuil avec plus de cul. C'est incroyable. TG Craig, c'est drôle. Super Craig. Once we know how to do things to animals, we can hopefully apply them to mankind. Ah, mais on s'en fout de rajouter des culs à des humains. Pardon, non, je suis cynique. C'est très bien les culs aux humains. C'est beaucoup trop cool. Genetic engineering is not just for animals and veggies. We are working towards helping people. Oh putain, des humains là, on va voir. Ah ouais, on va voir des monstres bien mutants là. On se souvient de son fils. Mais si, Terran, mais je m'en souviens bien sûr de son fils. On l'a pas vu depuis longtemps. Ouais. Voilà, il y a. Quoi? Oh putain! Mais on apprend trop de choses dans ce jeu. Bien sûr. Oh ouais, bien sûr, d'accord. Putain! C'est trop cool! C'est hyper intéressant ce qu'on apprend. C'est ignoble. Ignoble, exactement. Our new benefactor has asked that we genetically alter some of the local sixth graders and make them stronger and crazier. Okay. Why the fuck would you do that? How do you mean? Why the fuck would you make genetically enhanced sixth graders? Calm down, Super Craig. How do you think we pay for all this? We have financial donors. Bien sûr. Our latest benefactor has asked for this army of mutated sixth graders to protect his altered cats. Altered cats. Ah, right over this way. Bon, là, il va nous les montrer, j'imagine. A wealthy benefactor named Mr. Connor has donated money. Ah là, c'est Monsieur Connor, on s'en doutait, hein. Personne n'est étonné. Our company can add asses to things at very competitive rates. Mm-hmm. The problem is that cats seem to become really aggressive when given more asses. Ah. Proven to be très bien. Then why would you bring a bunch of kids up here? Look, there's nothing to worry about. This entire facility has a very complex security. Super, Craig, la voix de la raison. Oh, par contre, c'est marrant, la façon où il y a les yeux qui apparaissent. Oh shit, paralyste, mais marrant. What do you mean? Oh putain. Étonnant. Ok. Oh putain, mais on s'en doute. Oh putain. Where the fuck are you? Mr. Connor, if you shut down the security grid, then everyone in this building is going to die. What? Bien sûr. Sacrifices have to be made for the greater good of the city. So long, Freedom Path. Freedom Path. Putain de coon de merde. Putain de coon de merde. Many acid cats. Bon alors déjà laissez-moi expliquer ce que j'ai expliqué. Alors, ce qu'on a appris du coup, c'est que Terrence Mephisto, le fils du docteur Mephisto, est mort. Ça c'est une information qu'on n'avait pas dans la série. Donc Terrence Mephisto est mort, c'est pour ça qu'on le voyait plus. Et il est mort lors d'une attaque de Barbara Streisand. Alors je sais pas, faudrait que je regarde... Non, à mon avis c'est pas la première parce que je suis sûr on le voit au moins dans la saison 2... Parce qu'il a un rôle important dans la dans un éléphant baise un, fait l'amour à un cochon, donc dans la saison 1. Mais je suis sûr, on l'a déjà vu le voir en fond dans la saison 2 ou 3 au moins. Donc à mon avis, quand il parle de Terrence qui meurt dans une attaque de Barbara Streisand, ça doit être dans celle dans laquelle d'ailleurs Pip meurt, donc celle de l'épisode 201.
Donc l'épisode qui a jamais été traduit en français, donc c'est possible que vous ne l'ayez pas encore vu, mais j'ai fait une review sur la chaîne dessus, voilà, je casse ma pub, je cale ma pub. Mais en tout cas, on a appris qu'il était mort. C'est vraiment, bah, c'est quelque chose, c'est peut-être une info qui paraît aux elfes, mais en tant que fan, je suis content de savoir que le Terence Mephisto est mort. Bon, on va battre les chats pluricus. Ce mot existe apparemment, ce mot existe selon ce jeu. Ça va être très chiant, j'imagine. Tu fais mal comment? Ah, tu fais ça? Tu fais mal comme ça? Non, non, ça fait mal. Les autres, à mon avis, vont pas réussir à m'attaquer d'aussi loin. À mon avis, il y a quelque chose à faire avec les bocaux de Pissa. Je sais pas vraiment ce que ça peut faire. Si, est-ce que c'est... Non, je sais pas. Est-ce que c'est comme les trucs explosifs dans le... Avec les drogués qui étaient avec le chaos, je sais pas. Ou alors comme les œufs de Shobnigorat. Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Rien. Bah, vous allez faire que avancer, du coup. C'est vraiment bizarre de combattre des chats comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Ouais, donc à mon avis, ils ont pas l'air très bénéfiques, ces trucs... ouais, non. Non, ils ont absolument pas l'air bénéfiques du tout. Comment je pourrais faire? Est-ce que je peux te geler, toi? Non. Ah, par contre, s'il me met là, je peux geler, toi. Voilà, exactement. Bah, je vais faire ça. Parce que sinon je vais être obligé d'exploser les barils de Pissa. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, parce que sinon je vais mourir. Par contre, il a une gueule, il a une... Mec, Mephisto, il est moche de côté, hein. Là on voit pas, mais regardez là maintenant, il est moche de côté en vrai. Je sais pas s'il est foiré, mais il a l'air un peu dégueu. On va faire ça. Ça me semble pas mal. Ça va faire mal à un chat, et ça va défoncer un baril. Ça va peut-être être assez inutile, ça va me toucher que moi ce baril. Mais au moins c'est fait. Et voilà, ça me dégoûte, en fait. Voilà, très bien. Ça m'a juste dégoûté au final. Mais c'est déjà chiant. Le chat suivant, s'il vous plaît. Que va-t-il faire? Il va me balancer des trucs. Des boules de poils. Exactement. C'est assez chiant. Kyle. Human Kite. Tu peux toucher lui là-bas? Bah oui, tu peux même le tuer. Mais lui, il va... crever à coup sûr, donc c'est ça. Pour l'instant c'est facile, je sais pas s'il y a d'autres chats qui vont rejoindre le combat plus tard, parce que là ça a l'air encore facile. Ouais, c'est ton tour. Ils ont tous 200 points de vie? Ah non, non, pas lui. Du coup toi, tu vas servir à juste buter celui-là. Ça fait un de moins déjà. Et c'est cool parce que du coup, ça fait, on m'attaque moins au tour au précédent. Bon, ça fait toujours mal d'attaquer des animaux, mais bon. Ok. Non, ouais, voilà, il y en a plus qui arrivent, c'est bien ce que je me disais, parce que sinon ce serait trop simple. Ouais, ouais, merci Mephisto, franchement t'es très utile. Alors ça... C'est super chiant. Ah, ça soigne. Ok... Comment je vais faire? Comme ça, c'est déjà plus intéressant. Non, si je fais ça, c'est mieux encore. Ouais. Parce que là, ils se sont juste soignés et donné plus de vie. Donc ça rend les choses plus compliquées. Ouais, toi, avance. Ça ferait des dégâts à tout le monde. Et je vais faire ça, je pense. En plus, ça me donnerait plus de... Ça m'aiderait, ça me donnerait plus de vie grâce à la protection. Et il faut que je les tue vite, à mon avis. Ça va être compliqué. Ah putain, boule de poil. Okay. Ouais, exactement. Là par exemple, faudrait que je fasse ça. Tu peux ça? Non. Ça, mais ce serait inutile. Ça soignerait le nouveau. Bon, ouais. Guéri. C'est déjà ça. C'est pas trop mal. Craig, tu vas faire quoi par contre? Tu vas défoncer celui-là. Ouais. En plus, ils ont trop de vie du coup, vu qu'ils se sont soignés. Là, c'est le moment où ils font tous l'attaquer. Alors, toi, tu vas crever. Trop mal. Bon, au moins, on a une ulti. Du coup là je peux faire ça.
Ouais. Ou ça. Ouais, non, plus ça quand même. Voilà. That's going to leave some scars. Ah ouais, je pourrais arrêter le temps aussi. En attendant, ça serait cool. Allez, fais ta spé. Je pense que c'est compliqué. Par contre, ça va, c'est pas trop compliqué, mais. Mais bon, oh non, en vrai, j'ai rien à dire. C'est pas trop compliqué, non plus. Mais un peu quand même. C'est déjà ça. Donc là, non. Non, 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 je veux pas. Et le bruit chiant en fond, par contre, là. Ça, c'est fait. Voilà, un de moins. Et ça. Je peux pas passer là. Bon, ok, tant pis. Je suis payé. Il y a un de moins. Non, qui a pas lâché plus. Non. Oh, I think this is it. Oh, no, I just let more cats out. Mais il touche à rien, mais fais ce que tu touches à rien. C'est déjà ça, donc on va faire ça. Allez, à plus le chat. Non, mais trop chiant. Protégé, non, mais... et attaque boostée. Mephisto, sérieux. Je pourrais faire ça. Mais ce serait con. Donc je vais faire ça. Allez. Plus. Ça va faire mal aussi ça. Ouais. Non mais il est trop chiant du coup il a explosé le baril. Non c'est bon. Ça, il explose pas le baril. Moi, je vais faire ça du coup. Ouais comme ça. Ça fera mal à Super Craig mais ça fera mal au chat derrière lui. Donc c'est déjà cool. Allez. Ça. C'est cool. La plus. Désolé Super Craig, tu vas être dégoûté. Est-ce qu'ils peuvent être dégoûtés les chats? Bah non, ils sont juste morts. Ah non, il y en a un qui est mort et l'autre qui est dégoûté. Ok, très bien. Bon, ça va, tu meurs toujours pas, il faut pas trop trop mal. Ça va. Ouais, salut. D'autres de ce côté-là. Ça, ça peut être utile. Comme ça, ça me protège en même temps sans touche 2 à la fois. Quand on en voit un sur le nouveau et un sur, sur Craig. Donc ça c'est cool. C'est des chats à distance du coup. Donc ça. Ça va faire plein de dégâts à celui-là. À mon avis on pourra peut-être l'achever avec Craig. Bon. Ce chat-là il va faire quoi? Rien de spécial. Ouais bah c'est nié, voilà. Et toi tu vas crever du coup. Hein, je suis désolé de te l'apprendre mais... c'est la fin. Les chats pluricus. Je pense que c'est comme ça que tu disais. Multicus, pluricus. Je pense pluricus. Et bon, pour terminer, évidemment, New Kid. T'es prêt? Allez. Les fameuses boules de feu du nouveau. Que je pourrais d'ailleurs faire exploser si jamais je pétais dessus. C'est ce qui est. Et balafre de griffes. C'est pas mal. Et la thune. Vocale de protozoaire anneau. Le fumeux pluriel d'anal. Hein. Sûr. Et on peut continuer. We must escape the lab. Maybe. Maybe we can go through some of the larger exhibits. This way, children. Okay. I've got your back down there if you get into any trouble. Ouais. Bon, on va dire ça. Oh, putain, c'est dégueu. Bon, du coup, il faut qu'on s'échappe d'ici. Ouais, ouais, mais du coup, ça va être un peu la merde. Hein. Attends, comment on va faire? C'est quoi tous ces vieux trucs ignobles en plus? Oh putain. Bah je me doute bien, ouais. Oh, ouais, c'est vraiment des sixièmes. Putain. Mais bien sûr, c'était logique, Mephisto. Mais bien sûr. Ça peut bien sûr pas être moi. Hein. Ouais ouais c'est ça. C'est forcément moi. Hein. Bon allez, on va être obligé de s'en occuper du coup. C'est problématique. Ils sont tous vraiment dégueux.
Celui-là m'a laissé le caresser, miaou, chat de Kunstagram. Ah ok, donc il a fait une photo avec un chat à quatre culs. Très bien, alors. J'espère qu'on va pas rencontrer trop des mutants. Oh putain, ils sont là-bas. C'est des gorilles. Et là, il y a des culs qui tournent. Ça va être la merde. Hein. Ça va être définitivement être la merde. Ici. Dermorap et sédatif pour animaux. Oui, là il y a un truc là-bas que je peux aller récupérer. Qu'est-ce que c'est? Bon là j'ai récupéré des trucs dégueux. Alors là, j'imagine que je marche là-dedans, je meurs. Hein. Enfin, en toute logique, j'ai l'impression. Parce que ça a l'air un peu dégueu. Alors le truc de Mephisto, il y a quoi? Recette derviche hypnotiseur. Très bien. Est-ce que je ne pourrais pas faire... Alors je peux faire le truc jour et nuit, mais ce serait inutile ici. Donc je vais faire ça. Et je vais passer dessus, dis donc. Et ça devrait aller. Je sais pas s'il y a, si vraiment il y a pire. Non, à mon avis, je peux marcher dessus, hein, sinon je vois pas comment avancer. Non. Je peux bel et bien pas marcher dessus. Comment je peux faire? Là, non, ça pourra pas m'aider. Ah, ça peut-être. Ah oui. Donc ce serait comme la lave du coup. Ok. Je viens de piger. Allez, j'ai besoin de ta sableuse, Stan. Viens m'aider. Au lieu de caresser des chats à quatre culs. Ouais, je me doute. Allez. Alors là, c'est là, et là, c'est ici. Ok, vas-y. Enlève-moi ce truc dégueu, là. Oh, ça part comme ça en fumée. Ok, bon, très bien. C'était si simple que ça. Fallait juste que je pète dessus, finalement. Alors. Ouais, ok. Super Craig, heureusement qu'il est là pour nous montrer tous les trucs qui ont vraiment aucun sens ici, donc ici c'est verrouillé, donc c'est la merde. Toi par exemple, est-ce que ça peut me servir? Alors, va falloir que je fasse pause. Ah! Il y a une fenêtre là, non? Non, parce que c'est pas juste... Parce que là, il y a un symbole de pause, mais même en faisant pause, j'arrive pas à traverser de toute façon. Non, voilà, c'est bien ça. Donc déjà, comment je fais ça? Non, ça, je pense que ça va pas marcher comme ça, donc là, je vais devoir appeler Scott. Alors Scott, viens par là m'aider. Alors, je sais pas si tous les potes au final vont pouvoir nous aider, parce que là on a que 4-5 potes qui peuvent nous sauver, mais comme le Pout Mobile, comme la Fureur du Diabète. Allez, Diabeto Destroy. Et c'est... Ok. À mon avis, il fallait faire ça, mais je vois pas ce que ça va nous aider à faire. Ah, peut-être de monter là, du coup. Non, je comprends vraiment pas ce que ça va nous aider à faire en fait. Dermofuseur à plasma. Est-ce que je peux balancer genre un mignon ici? Ou ici? Non, apparemment non. Mais toi tu sers à quoi alors si c'est juste pour tomber quoi. Je sais vraiment pas. Du coup je vais faire un P de retour. Parce que là c'est un truc que je ne comprends pas bien. Alors, là, déjà ici qu'est-ce qu'il y a? Je peux monter là déjà. Bah ok, bah alors ça sert à quoi de le faire tomber du coup? Donc ça, flacon de pizza, ok, bah ça peut toujours être utile du coup. Alors là ça me permet juste de descendre. Peut-être que maintenant ça va m'être utile grâce au... Non, je sais pas, je comprends pas. Écoute, toi, tu vas retomber. Ouais, écoute, on va faire comme ça. Et on va essayer de trouver ce qu'il y a à faire. Je pense pas qu'il faille appuyer... À mon avis, c'est le genre de truc où il va falloir que tout le monde soit utile. Si c'est vers la fin du jeu, il faut que tout le monde soit utile. Sinon, voilà. Donc, peut-être... Donc là, j'ai vraiment rien qui m'aiderait. Il n'y a même pas de truc qui me ferait faire appeler l'homme cerf-volant. Donc je sais vraiment pas comment faire. Ah si, là il y a ça, par exemple. Juste ici, ce truc. Un hamster. Ça me risque d'être pas mal. Alors, correspondance trouvée, je me doute bien. T'es où? Ah, t'es là, ok. Donc, fallait même pas que je monte, c'était inutile de monter. Péter les plombs. Comme ça, c'est bon. Alors. Qui invoque le chaos? C'est moi. Vas-y. Ouais. Allez. Donc, il va falloir que je fasse ça. Après, j'imagine que ça va enlever la barrière. Ça va enlever la barrière ou ça va faire quoi?
Non, ça, ouais, voilà, ça enlève, c'est bien ça, ça enlève la porte. Du coup, là, va falloir que j'arrête le temps, j'imagine, et que je tire le truc d'électricité derrière les rayons, à mon avis. À mon avis, c'est ça. Voilà, et là, voilà, c'est ça. Tenir, et là, je la tire derrière ces rayons. Et du coup, maintenant, il est là. Ok, très bien. Ouf, mais là, il y a un problème, du coup. Du coup, j'espère que les sixièmes vont pas venir me chercher qu'il se passe quelque chose. Alors là, ah ok, donc là, du coup, je vais devoir remettre l'objet comme il était. Ça, c'est cool. Et toi, je vais te déplacer là-dedans. Voilà, normalement, et là, ça devrait s'ouvrir, tout va bien. Voilà, je suis un solutionneur d'énigmes. Et je peux passer. Ouais, ouais, ok. Ah, donc c'est là qu'il faut aller, du coup. Ah. On va combattre son fils mort. J'aurais jamais cru dire cette phrase, mais c'est vachement stylé. Si c'est le cas. Bon, ça, c'est dégueu, par contre. Je peux aller sur les rails? Non, je peux aller sur les rails. Ah, je peux aller là acheter des trucs, mais je vais pas le faire. Là, qu'est-ce qu'il y a? Ah. C'est ignoble. Ils sont dégueux. C'est des gorilles sixième. Ah, ça il aime bien. Ah ok, cool, ça m'a sauvé. Du coup, c'était tout simplement, du coup c'est des ennemis qu'il faudrait éviter, c'est ça? Là il y a un truc chelou au fond là-bas. Enfin, un chat qui attaque, donc. C'est des gorilles mutants avec des culs. Là au fond il y a des bocaux avec Terence Mephisto. Donc là si je vais là ça fait rien non plus, d'accord. Donc là, rien. Là qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ils sont vraiment dégueux par contre hein. Mais ils sont stylés. Bon, c'est des hommes gorilles. C'est pas mal mais j'ai pas envie de les combattre parce qu'ils doivent être forts. Qu'est-ce qu'ils voient là? Ils regardent quoi? C'est une image de boobs, c'est ça? Alors je peux appuyer sur panique. Apparemment. Non, je peux éteindre, voilà. Ah voilà, du coup là il comprend plus. Ah du coup là il est choqué hein. Et si je rallume? Ah ouais voilà, c'est des seins. Et du coup il reste sur les seins. Néné, boobies, ok cool. Là, je pétais ça. Donc ça me donne ça. Fluide d'accès anal, très bien. Là je peux enlever ça, je sais pas ce que ça va me permettre de faire. Ah si, bah ça va me permettre de récupérer le coffre apparemment. Allez, la sableuse. Ok. Ouais, moi je me doute. Donc du coup, faudra essayer d'éviter, j'imagine, les sixièmes. Parce que sinon, ça va être un peu trop galère à battre. Ah, ils ont l'air vachement... Ouais, awesome si on veut. Ils ont l'air vachement durs, en fait. Du coup... Enfin, ils ont l'air forts, c'est surtout ça. Là, qu'est-ce qu'on a? DVD salope en loge 9. Les magazines Roploplo. Ok. Donc c'était bien là que vivaient les sixièmes, apparemment. Oh. Sérum de rejet de greffe. Alors lui, il est dégueu. Mais il est pas forcément pire que le sixième cochon à plein de cul là qui est tout là-bas. Non, il faut que je fasse quoi? Je vais faire ça, comme ça, ça va les distraire. Si j'envoie des images de seins, ils vont être distraits et ça pourra le faire. Allez, parce que le but c'est encore une fois de pas les combattre. Hein. Si ça se trouve, ils nous défoncent dès qu'ils commencent un combat. Donc, ce serait même pas vraiment un combat. Ouais, vas-y mignon, vraiment, je sais pas combien t'as d'hamsters, mais c'est cool d'en avoir de façon illimitée comme ça. Bon, allez. Est-ce que ça va allumer? Ça va mettre une image de... Ah non. Et ça me permet... Est-ce que je peux passer par là? Non. Ça me permet de me dépêcher... Ah ouais, mais il faut que je les évite aussi, et que j'aille là-bas. Allez, vite, vite, vite. Non. Il faut que je fasse pause. Je viens de comprendre. Il faut que je fasse pause et que j'aille... voir le truc pour qu'il panique. Ah non, je peux... Ah, ça n'a pas marché, merde. Donc je me suis trompé. Donc on peut bien les combattre. Bah, les sixièmes pluricu. Ça va être compliqué. Ouais, ouais, je me doute. Ça va être compliqué, putain. Ça va être hardcore. Donc toi, tu fais rien. Toi, tu fais rien. Toi, tu fais mal, mais pas trop, donc ça va. Oh putain, mais ça va être carrément chiant. Ouais, bon, ils font plein de dégâts à Craig. Ok. Ça va aller, ça va aller. Ce que je vais faire, déjà, pour commencer, je peux faire ça.
Ça va déjà repousser ceux-là. Et j'ai besoin de les repousser parce qu'ils sont un peu trop près de moi, j'ai l'impression. Donc cassez-vous tous, voilà. Et y en a deux qui sont morts. Non, ils sont pas morts. Ah si, ils ont explosé. Ah ok, ils explosent. Ok, donc il y en a deux morts, déjà. Vous allez faire bien mal, j'ai l'impression. Donc je vais faire pause. Et je vais juste aller taper le cochon. Comme ça, là, il explosera peut-être. Enfin, en tout cas, il a pas beaucoup de dégâts. Donc ouais, à mon avis, là, je le tue en deux petits coups. Et on va aller en taper un autre, genre toi. Non, pas le temps. Ok, donc lui a explosé. Ce qui va faire que l'autre à côté va sûrement exploser. Exactement. Et du coup, ça a pas fait de dégâts à ceux derrière, non? Non, merde. Ok, eux par contre, ils sont lents. Ils ont l'air lents, en tout cas. Donc lui, il saigne. C'est cool. Toi, tu fais rien. Très bien. Ça me confère protection, donc c'est bien, parce que du coup je mourrai pas, donc je vais faire ça, je pense. Allez, prends ça. Donc là, je suis juste à côté d'eux. Mais ouais, mais ça l'a rapproché, par contre ça c'est chiant. Ah, je suis dégoûté. Faudrait que je pète les trucs électriques qu'il y a derrière eux. Comme ça pourrait leur faire des dégâts. Ça pourrait être pas mal. Ouais, je me doute bien. Alors si je fais ça, ça bute pas tout le monde. Là, ça fait mal à toi. Mais toi, pourquoi tu prends pas des dégâts? Ah, t'es à côté. D'accord, t'es à côté, c'est pour ça. Ça, j'aime bien. J'aime bien, donc je vais faire ça. Comme ça va te ralentir aussi, toi. Même si t'es peut-être déjà ralenti, d'ailleurs. Donc voilà. Ouais, mais on va juste vous défoncer, par contre. Oh! Par contre, Super Craig, il est dans la merde, là. Il n'y a plus beaucoup de vie. Donc c'est vraiment la merde. On va faire ça. Comme ça va faire mal à un peu tout le monde. Parce que c'est une attaque que j'aime bien aussi. Et puis ça les saigne. Surtout ça, le saignement, c'est surtout ce qui est le mieux. Allez. Ouais. Là c'est la merde. Toi tu vas avoir mal. Ah quoi tu t'es. Ah je pensais qu'il était plus protégé que ça. Ouais, donc là on est dans la merde. On est clairement dans la merde. Et bah MP, putain. Putain. Vous êtes chiant. Il prend des dégâts, le dernier il va peut-être, il va rien faire et le suivant il va défoncer Craig. Là Craig est ripé. Voilà, il est ralenti mais bon, il va quand même avoir le temps de défoncer Craig, ça c'est sûr. Voilà, c'est bien chiant. Ah ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question, c'est d'ailleurs une question que tu te poses dans l'épisode avec les cochons d'Inde là. Toi, tu crèves pas. Toi non plus, mais on va essayer de te crever si possible. Donc on va faire ça, voilà. Allez, piou piou. Donc ça c'est déjà cool. Et là je peux faire mon ulti. Donc je vais m'approcher, et comme ça tout le monde sera touché. Et comme ça vous crèverez tous dans les prochains tours. Hein. Bah là déjà vous allez tous prendre des dégâts de choc et de sang. Et à mon avis, ouais non là, l'ulti c'est vraiment ce qui va me faire gagner. À mon avis, on est bien. Actuellement, on n'est pas trop mal, de vous barrer. Allez, ouais, électricité. Donc il y en a un qui meurt en plus. Ah non, bah non, parce que ça fait pas de dégâts. Ah, ça fait juste ça, mais ouais. Ça va nous sauver la vie. Allez, rien qu'à deux, on va réussir à tous vous défoncer. Toi à plus. Allez, tes dégâts, voilà. Et en plus, du coup, tu fais des dégâts à la... au truc derrière qui te fait des dégâts également. Toi, tu vas mourir. Allez, crève, s'il te plaît. Voilà, le sang. Ah non, tu crèves pas. Bah si, le choc. Voilà, c'est ça, voilà. Moi aussi, je m'y attendais, en fait. Voilà, toi pareil, le sang et le choc. Un très bon combo. Oh non, j'ai mal. Voilà, choqué. Et je pense que je vais refaire mon attaque avec les arbres parce qu'ils vont être repoussés vers... Je pense qu'ils vont être repoussés vers le... Vers le truc derrière. Et ça va les tuer Ça va les tuer à mon avis. Donc, il y a juste celui derrière là qui a l'air d'être plus chiant encore. Ouais, par exemple, toi, je vais faire ça. Comme ça... Tu vas te prendre ça dans la gueule. Et toi, New Kid, tu vas faire ça. Comme ça, ils se prennent tous ça dans la gueule. Et est-ce qu'ils vont prendre comme ce que je veux? Voilà, ouais, c'est bien ça. Ah non, il n'y en a qu'un seul qui se prend l'électricité. Mais c'est chiant, c'est pas ce que je voulais du tout. Bon, toi, tu me fais pas de dégâts, donc tout va bien. Toi, est-ce que tu fais des dégâts à quelqu'un? Parce que celui qui vient pour me faire des dégâts, j'arrête le temps. Hein. Je vous préviens tout de suite. Toi... Très bien, bah écoute, tu vas crever. Je vais d'ailleurs faire crever le dernier qui est là-bas avant qu'il attaque, non. Ah non, je peux pas...
Je me suis fail, j'ai fait le mauvais P ou... Parce que là du coup j'ai pas pu arrêter le temps. Moi j'ai dû me fail de P. Ouais, on sait. Du coup toi t'as le plus de vie toi. Non. 45, toi 27 et toi 1. Ok, donc ouais c'est bien toi qui as le plus de vie. Et donc salut, hein, du coup. Ennemi à terre, ça je sais. Et là, bah vous allez mourir comme ça je pense. Hein. Ah vous ne crevez pas tous. On verra ça. Et... Est-ce que vous crevez? Non, il y en a bien un qui est pas mort, qui s'est pas pris l'électricité, du coup c'est chiant, mais il va mourir de... du sang. Voilà. A plus. Ouh. Donc il saute bien comme des gorilles, mais il va crever juste après, hein. Ça c'est dommage, voilà, à plus. Salut. Tu nous manqueras. Ah, t'es pas mort. Très bien, bah écoute, tu vas te faire buter par un CM1. Encore pire que mourir de saignement, mourir par un CM1. Allez, salut. Ils sont vraiment ignobles, surtout les cochons. J'ai ramassé un item bien dégueu par contre, là un artefact. J'aimerais bien voir ce que c'est. Parce que c'était assez sale, ouais. Artefact. C'était dans quoi? Est-ce que c'était là-dedans? Oui. Sphincterplex. Quand le pouvoir d'un cul ne suffit pas, équipe le sphincterplex pour activer un circuit vertueux de bioénergie pluricule. On va partir, hein. On va s'éloigner vite. Bah bien sûr. Bon, je vais faire ça. Même si, bon voilà, ça va servir à rien du coup, parce que je les ai déjà tous défoncés. Alors là, analyseur de plasma. Alors ça va pouvoir me permettre de mettre un item en plus. Là, tendance homicide. Pas mal. Et là, bah, je vais allumer ça aussi, c'est pas mal, mais ça ne sert à rien. Mais on va continuer du coup. Et on s'arrêtera dans le prochain épisode, bien sûr. Hein. Cartman, you fucking asshole, what are you doing? Connor brought me here, human cat. Ouais, c'est ça. Son of a bitch. You shut up, Coon. Ouais. This town will be rid of you and all the Coon friends. We're freedom pals, fat ass. C'est vrai. We know what you're doing, Eric. Putting cat urine into people's drugs and alcohol to make them crazy. Eh oui. I wanna know why. Yeah, why, you sick piece of... Do I really have to spell it out, Coon? This city is sick. We both know it. Ouais, c'est ça. There's only one time of year when this town is the way it should be. On Christmas. So I joined the Chamber of Commerce. And use them to unleash my master plan. Okay. Escalate crime in the city, blame crime on mayor, run for mayor, get tons of followers, new kid into genetic mutant, win election, everyday Christmas. What do you think? Pretty sweet plan, right? C'est ça ton putain de plan? Je prends un selfie du plan. Ah ouais, comme ça c'est fait. Ouais. Bon sans. Pour qu'on voit mieux sans truc, sans filtre. Ouais. Ouais, il m'a pas vu faire de selfie. I've got all the new kids followers. Every last one of them is now following me. Putain. Mon pouvoir se retourne contre moi. I know that Christmas every day sounds like fun, but it really wouldn't be. C'est vrai, après il a plus de thunes déjà. If you guys don't mind, I've got an election to win. Et merde. God damn it. Oh, there goes the main CPU. Darn it, why did I put that thing on a motorized trap door? C'est vraiment n'importe quoi. I'm afraid now someone will have to go clear to the ground level and call for the tour tram from there. All right, fine. Hurry up, new kid. We gotta get out of here. Ah, mais vous êtes sérieux? Oh, c'est ça. Que tu pleures parce que t'es triste comme d'hab. It's okay, mosquito. We're not going to die here. We will survive. Ouais, bon, ça on verra bien. Donc là, je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tournevis ionique. Là, je peux rien prendre. Non. Restriction. Il faut que je monte là-dessus. Peut-être. Oui, apparemment, je crois qu'il faut que je monte là-dessus. Ou alors, il faut que j'aille là-bas. Là-bas, ouais, il faut que j'aille là-bas, apparemment. Donc, je vais. Qu'est-ce que ça fait si je monte là-dessus? Ça fait quelque chose ou pas? Non, je peux même pas. Du coup, on ira à côté dans le prochain épisode. Eh oui, bah oui, parce que... Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. C'était Maléco Shonen. Bye tout le monde. Salut.